Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ou l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de nous retrouver autour de cet autel, célébrons donc l'Eucharistie du Seigneur. Et commençons cette messe par la demande de pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé les biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir, par Jésus le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements, tu leur diras, « Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. » Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussée, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme, Dieu, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, Esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent.
Je prophétisais comme il me l'avait donné l'ordre, et l'Esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur. Quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Thank you.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, j'aime bien entendre cet évangile de Matthieu où, une fois de plus, les théologiens spécialistes, c'est-à-dire les docteurs de la loi, les pharisiens, ne se rappellent de leur foi que pour mettre Jésus à l'épreuve, ou ne se rappellent de la charité que pour se transformer en machine à poser des questions, embarrassantes, bien évidemment. Mais, cette chose-là étant dite, au passage, on peut imaginer des situations d'aujourd'hui qui continuent bien cette tradition. Cette chose-là étant dite, regardons de plus près la réponse de Jésus. La question, elle est claire. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Et quand on voit cette réponse de Jésus, ça me rappelle toujours ces petits magasins du sud-ouest de la France, du côté de la Dordogne, où j'y ai une grande partie de ma famille. Quand j'étais gamin, j'allais quelquefois faire les commissions, comme l'on disait. Et la vendeuse me disait toujours, après qu'elle m'ait servi ce que je demandais et pour lequel j'avais l'argent juste ce qu'il fallait pour acheter, elle me dit toujours « Et avec ça, qu'est-ce que je vous mets ?» Ça m'énervait parce que finalement j'avais juste l'argent pour payer ce que je commandais. Donc je ne pouvais pas repayer autre chose. Et puis pourquoi voulez-vous qu'elle me refourgue encore autre chose ? Eh bien, Jésus fait à peu près pareil que cette vendeuse. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Voilà le premier commandement, le grand. Et avec ça, il rajoute le second qui lui est semblable. Ils en demandaient un, ils en ont deux pour le prix d'un. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que dans le second commandement, c'est justement ce qu'ils ne sont pas en train de faire. Parce que ce docteur de la loi et ces pharisiens ne sont pas en train d'aimer Jésus comme eux-mêmes. Au contraire, leur grand sport, c'est de le mettre à l'épreuve. Et la suite est encore plus importante. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Autrement dit, il les prend même à revers sur leur terrain. Vous n'avez rien compris à l'enseignement des prophètes et à l'esprit de la loi. Alors pour nous aujourd'hui, mes amis, nous sommes un peu comme ça, parfois.
Nous avons besoin d'entendre qu'il y a deux commandements qui se lient l'un à l'autre. Aimer Dieu, son Dieu, mon Dieu, le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Et puis aimer le prochain comme moi-même. Comme moi-même. Voilà que nous sommes invités à sortir de nous-mêmes, à sortir de notre égoïsme, à se rendre à nos frontières, à nos périphéries, comme dirait François le pape. Sortir de nous-mêmes, sortir de nos frontières, pour aimer notre prochain. Alors on peut se dire, oui, bien sûr, on aime ceux qu'on connaît, qu'on rencontre, comme ça, etc. Mais si seulement le monde se mettait à comprendre qu'il fallait dépenser les énergies pour aimer le prochain. On voit de très belles choses actuellement sur nos écrans de télévision, jour et nuit, ce qui est rare, et dans le monde entier. Ces sportifs à Rio qui concourent pour les Jeux Olympiques. On voit des poignées de main, on voit des marques de politesse, de fraternité. À l'arrivée d'une course, le premier qui félicite le second le premier, etc., etc. D'autres qui relèvent celui qui est tombé. On voit de très très belles choses. Ça change des images habituelles où on voit des guerres et des guerres et des guerres. Ça ne veut pas dire que les guerres ont cessé. Mais, pour une fois, jour et nuit, nous voyons de beaux spectacles, de belles images, où l'homme se dépasse pour lui-même, mais au-delà de lui-même pour les autres, pour son pays, dont il est fier, et pour son équipe, ses amis, tous ceux qui font partie de la même délégation. Alors je me dis souvent, en voyant tout cela, si ça pouvait être vrai pour le reste de la vie, si ça pouvait être vrai pour le reste de l'existence, le monde changerait. Il ne s'agit pas de transformer la vie en Jeux Olympiques tous les jours. On s'y épuiserait. Mais, quand même, si tout d'un coup on retrouvait le sens du remerciement, de la politesse, de la fraternité, fraternité, c'est dans notre devise, de l'amour du prochain, ça changerait quand même pas mal de choses. Alors demandons au Seigneur de nous aider à réapprendre ces deux commandements qui sont liés, de nous aider à arrêter de mettre l'autre à l'épreuve pour commencer d'aimer le prochain, nous aider à découvrir vers qui nous sommes envoyés, vers qui nous avons besoin de témoigner pour qu'ensemble nous acclamions avec fierté la parole de Dieu. Amen.
Le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. C'est encore par lui que tu as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire.